Qu'est-ce que c'est que cette énorme bête? Je suis une vache. Qui vous l'a dit? Tout le monde. À quoi vous servez? Je donne du lait. Vous êtes folle! Ici, c'est le son qui donne du lait. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est un seau? Je ne saurais pas bien vous expliquer. Surtout, n'allez pas raconter au chat que vous faites du lait, des fois il pourrait vous griffer. Pauvre petit. Ce n'est pas un petit, c'est un vieux, il a 7 ans. À 7 ans, on ne boit plus de lait. Attention! Vous mangez un trèfle à 4 feuilles! Ce n'est pas du poison, c'est pas jaune. Je n'ai jamais prétendu que c'était du poison, mais ça porte malheur. Bon, je crache. Est-ce que je pourrais goûter votre lait? Essayez. Grimpez sur le tertre et tirez-moi en dessous avec votre bouche. Je ne peux pas. Et puis, ce n'est pas convenable. Pourriez-vous m'attraper du farouche? Cette fleur rouge sous la vigne. Ma tête est trop grosse pour passer. Donc, je ne suis pas votre chien. Vous n'êtes pas gentil. Tenez, la voilà votre fleur, elle ne m'embêtait plus. Vous mangez trop d'herbe, vous allez vomir. Moi, je ne pourrais pas manger du fumier de cheval. Je n'aimerais pas ça. Personne n'aime ça. Vous ne mangez pas du fumier de cheval, comme notre chien. Mais non, je mange du sucre, des pommes de terre, un peu d'épinards et du riz, mais j'aime surtout la viande. La viande? Vous ne connaissez pas la viande? Du veau, du bœuf, quoi. Ce n'est pas possible. Vous mangez des choses comme moi? Mais le veau, c'est le petit de la vache! Vous êtes décidément folle! C'est aussi absurde que si je vous disais que je mangeais de l'homme. La viande, c'est une nourriture, c'est pas une bête! Ça m'étonnait aussi. Vous mangez quoi, déjeuner? Comme maintenant. Un jour, j'ai voulu brouter une poule, mais son herbe n'est pas bonne et puis ça me faisait pleurer parce qu'elle criait. Je vous comprends. Un animal mort, c'est encore plus triste. Ça ne bouge pas. Ça pourrit. Est-ce qu'il y a des cimetières de vaches? Un jardin où on vous met à pousser dans la terre quand on est mort? Je n'en ai pas vu. Où on vous met alors? Je le demande. Je n'ai jamais vu de vache morte. Les vaches, ça ne meurt pas, ça disparaît. Mais je ne saurais pas vous dire où. Je n'y ai jamais pensé. Peut-être qu'on vous brûle. Les chiens ont un cimetière à Paris avec des statues, des concierges, des poèmes et de l'herbe, et des vieilles dames qui pleurent. Pourquoi pleurent-elles? On les paie pour ça. Elles ont des petits sacs pleins de sucre. Elles enfoncent le sucre dans la terre. Alors la terre fait pousser du sucre. Alors le chien est bien content, il aboie. Vous l'avez entendu? Oui.
Ce qui est embêtant, c'est d'habiter près des taupes. Qu'est-ce que c'est, une taupe? Vous êtes drôle! Vous habitez toute l'année à la campagne et vous ne connaissez rien de la nature. C'est comme si vous me demandiez ce que c'est que le métro. Je connais le métro. Vous avez le toupet de me dire, de me faire croire, de vous vanter. Je connais le métro, j'y ai été. Vous, en métro? Menteuse, vous êtes bien trop grosse. Quand? Quand? Quand j'étais jeune. Il y a très longtemps.